Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, ame kumura litani karamake noe Nasruddine baraka flado boy yir sanfe. Inshallah kontalo yir me baramke te na jigra bana kuma fe. Inshallah. Je vais faire ça, quoi. Je vais faire ça. Parlez. Salam alaikum. C'est pas du tout facile. Encore moi, on est où vous êtes? Bonjour, bonjour les amis. Inch'Allah, c'est Sayon Nasruddine qui vous parle. On a fait cette table-là. Je vais vous le montrer, on appelle ça chéiri. Voilà, chéiri, ça veut dire c'est ce fur là qu'on prend pour faire baie de karité. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on appelle l'arbre de karité, c'est ça. Chéiri. Voilà, ça ressemble à olive, mais c'est pas la même chose. Hein. Voilà, donc c'est l'adon là qu'on avait besoin. Vous voyez? Voilà, c'est l'adon là qu'on avait besoin. Voilà, on est là qu'à aller le botter. Tu sais, souvent dans les vidéos, il y a des choses qu'on dit qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. Parce que si on vous explique, ça va devenir comme poison chez vous. Par exemple, un élève de CP1, si tu lui donnes le son de CP2, CE1 jusqu'à terminale, ça va le fatiguer. Voilà, donc à cause de ça, on part en doucement, doucement. Mais cet arbre-là, vous voyez, ça soigne beaucoup de choses. Ça soigne beaucoup de choses. Même intelligence. Vous voyez ce que j'ai fait tout de suite? C'est pour l'intelligence. Voilà, c'est pour l'intelligence 100%. Voilà, comme je dis, si tu veux devenir un docteur ou quoi, Inch'Allah, faites recherche à cette arbre. Voilà, ça coûte ça. Vous voyez, je suis monté avec le chercher et puis enlever, mettre dedans et puis descendre avec. Donc ça veut dire, vous voyez tout ce qui est tombé. Vous voyez un peu tout ce qui est tombé en bas. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que pourquoi? Voilà, c'est tombé en bas. Donc ça coûte ça. L'arbre, je dis, il y a beaucoup de choses intérieures qui sont cachées dans les arbres. Hein. Comme je vous dis chaque fois. Inch'Allah. Donc, mes amis de Yirina, Aukano et Chiri. En Afrique, ici, on a des arbres. Beaucoup des arbres. Quand on ne fait pas pousser sur cet arbre-là, ça coûte ça. On ne connaît pas mieux cet arbre-là. Donc, mieux Chiri. Je vais expliquer, comme il y a beaucoup de gens qui comprennent le Bambara, je vais expliquer un peu en Bambara.
Chéri le béni, ni farabe mouni mouligne. Exemple, le cross là, si on enlève, ça soit quoi et quoi. Il y a des gens qui disent, ah, net dit, mon affaire au quotidien. Ah, mon affaire au quotidien, mon affaire a pas lu, etc., etc. Ça, ça soit tout. Tu enlèves le cross là et puis tu fais bouillir, tu laves ton affaire avec, voilà, et puis tu le bois un peu, c'est ok. Deuxième, il y a des gens, s'ils chient, voilà, comme on dit, le derrière sort rouge comme ça, on appelle cocobo. Voilà, tout cela. Ça soigne ça aussi, ça soigne beaucoup de choses, mais dans les jours à venir, on va expliquer beaucoup. Je vais faire un commentaire sur le nom de cette arbre. On dit Chéiri. Chéiri Andula, ça veut dire quoi? Longue vie. Donc ça veut dire suis prête à Dieu. Cette arbre-là, bon, ça veut donner longue vie. Parce que pourquoi? Tu peux voir cet arbre-là petit comme ça au village. Tu pars faire 20 ans dans un pays, vous venez trouver, cet arbre-là est toujours petit. Donc ça veut dire, si moi je vais dire cet arbre-là, ça vaut combien des années. Donc ça c'est une recherche aussi. Voilà, donc c'est un arbre très très efficace qui est en Afrique ici, qui soigne beaucoup, Inch'Allah. Actuellement, nous sommes dans un village qu'on appelle Niaraforo. Voilà, nous sommes dans un village qu'on appelle Niaraforo, pas loin de Bobo Dilasso. On est jusqu'à comme des 40 km de Bobo Dilasso. Voilà, nous sommes en route, on voit comme on disait, on a vu cet arbre, on voulait enlever tout simplement. Parce que cet arbre-là, ça existe partout. Mais on avait besoin, ce qu'on avait besoin de ça, il faut qu'un route passe à côté. Donc ça coûte ça. On faisait ces recherches-là sur cet arbre-là. Donc excusez beaucoup, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine. Merci.